mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que je me joins à vous ce soir pour le coup d'envoi du Savannah Connected Countryside, premier village intelligent de l'île. Permettez-moi, en premier lieu, d'adresser mes chaleureuses félicitations à M. Hector Espitalier-Noël et ses collaborateurs au sein du groupe ENL pour avoir mis en œuvre un projet aussi ambitieux qu'innovant. En effet, ce projet qui couvre la région de Grosbois conjugue créativité et innovation. Il est basé sur un modèle d'aménagement du territoire en milieu rural qui inspirera, j'en suis persuadé, bien de développeurs fonciers à la recherche de concepts nouveaux. Le groupe ENL, qui a un poids majeur dans notre économie, a toujours réagi favorablement à nos appels à un soutien aux grandes orientations de la politique économique du gouvernement. Il convient de saluer ici son engagement de longue date en faveur du développement durable et de l'innovation. Nous pouvons prendre en exemple la démarche positive du groupe ENL quand le gouvernement avait mis en place le Smart City Scheme qui fournit un cadre légal bien défini et un ensemble attrayant d'incitations fiscales et non fiscales aux investisseurs. Le groupe ENL figure parmi les premiers visionnaires à saisir les opportunités offertes par ce type de développement urbain novateur. Et dès 2017, il lance la Smart City de Moka qui, très rapidement, redessine les contours du nouveau Moka. ENL crée ainsi la première ville intelligente de Maurice, un endroit de choix pour vivre, travailler et se divertir. Plusieurs volets de Moka City ont été terminés et d'autres sont en voie d'achèvement. Moka City Limited, entreprise subsidiaire du groupe ENL, a investi 4 milliards de roupies dans les travaux d'infrastructure de la Smart City, tandis que la Moka Residential Limited, autre subsidiaire, a investi 1,4 milliard d'euros dans un projet résidentiel. Et des espaces commerciaux ont été construits au cours de 1,2 milliard d'euros. Les habitants de la région tirent des bénéfices immédiats des infrastructures dont la Smart City est dotée en termes de connectivité routière. Un échangeur relia le bypass de Verdun à celui de Saint-Pierre. Cet échangeur sera construit grâce à un partenariat public-privé. Le lien entre les deux routes, le contournement, augmentera la capacité du réseau routier et favorisera la connexion avec les régions avoisinantes, dont Alma, La Gautière et Verdun. Considération est également donnée en ce moment à l'extension du réseau ferroviaire de Métro Express jusqu'à Saint-Pierre et Côte-d'Or en passant par la Smart City de Moka. Distingués invités, le projet qui est lancé aujourd'hui par le groupe ENL à travers le Grosbois Development Limited a bénéficié d'un Smart City Certificate délivré par l'Economic Development Board. Cependant, il comporte des différences singulières par rapport à celui qui est réalisé à Moka. Comme l'a très bien décrit le CEO du groupe ENL, Savannah Connected Countryside est un village aux allures de Smart City. Nous avons bien compris que Savannah sera un village connecté, pas une ville connectée. Moka et Savannah font l'objet
tous deux, le projet d'aménagement du territoire en milieu rural, le Smart Village, qui est créé ici, dans le sud de l'île, possède un cadre naturel très agréable et un cachet unique. Les concepteurs du projet prennent le pari de démontrer qu'il n'y a pas de position tranchée entre un milieu naturel et un milieu connecté. On peut en effet concilier les deux. Le savanna réaménagé s'intégrera dans l'environnement en respectant la nature, nous promettons. Grâce à sa proximité avec les zones résidentielles existantes, le village connecté qui sera créé à savanna est appelé à promouvoir le développement social et économique dans les régions avoisinantes. Bien sûr, je donne tout mon appui à ce projet, car il devrait renforcer le développement dans la partie sud de l'île. Cela contribuera à assurer un certain équilibre géographique. Il y a eu effectivement une concentration de nouvelles activités économiques dans le nord et au centre du pays ces dernières années. Or, il est essentiel que les activités économiques soient distribuées de manière homogène sur tout le territoire, parce que mon gouvernement s'est engagé à faire respecter l'équité sur tous les plans. Donc je me réjouis que ce projet de création du village intelligent de savanna se soit fixé des objectifs de développement durable et j'en félicite ses promoteurs. Répondre au changement climatique implique une adaptation de nos stratégies d'aménagement du territoire. Celles-ci devront renforcer l'efficacité énergétique, trouver des solutions innovantes dans la gestion des déchets et proposer une utilisation maîtrisée des ressources naturelles. Villes intelligentes et villes durables vont de pair. Tous les projets en voie de réalisation ont pour vocation d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Ces nouveaux lieux de vie devront remettre le citoyen, l'usager et l'habitant au cœur du dispositif, tout en restant connecté et en protégeant l'environnement. L'investissement direct étranger s'élèvera à 20 milliards de roupies cette année, contre 15,4 milliards de roupies l'année dernière. L'investissement privé est également en hausse, passe de 80 milliards de roupies, alors qu'il se chiffrait à 74 milliards de roupies l'année dernière. Nous espérons être en mesure, aujourd'hui, d'opérer une transformation majeure de notre pays en diversifiant davantage notre économie, ce qui devrait nous permettre de nous positionner comme une puissance économique régionale. Des partenariats renforcés entre le gouvernement, le secteur privé, la société civile pour constituer un élément clé de ce succès escompté. Je suis heureux de vous accueillir ce soir pour le coup d'envoi de savanna Connected Countryside, nouveau développement immobilier intégré proposé par le groupe ENL. Nous sommes ici à la place de Grosbois, appelé à devenir le cœur du tout premier quartier de ce Smart Village que nous aménageons sur 440 arbres. Au cours des prochaines années, savanna Connected Countryside accueillera maisons, bureaux, commerces, écoles, gymnases et autres infrastructures socio-économiques qui vont accélérer l'entrée du Sud dans une ère de modernité et de prospérité. Comme vous l'avez sans doute constaté en venant ici ce soir, nous avons déjà commencé la mise en œuvre de notre projet. Quelques 125 familles habite déjà le quartier de Grosbois. Une école internationale y a récemment ouvert ses portes et ici, à la place, les premières infrastructures communales sont déjà opérationnelles. Après la Smart City de Moka, qui poursuit son développement à un rythme soutenu, nous venons proposer savanna Connected Countryside, un village qui bénéficie du génie de l'homme pour se moderniser,
dans le respect de son histoire et de sa culture. Une ville, un village, se construit au fil du temps. Pour réussir, l'initiative doit nécessairement réunir des acteurs de divers bords. Les architectes en dessinent les contours, les régulateurs en garantissent la légitimité, les financiers y apportent les indispensables fonds et les entrepreneurs assurent sa mise en œuvre. Et quand la scène est créée, c'est encore l'habitant qui lui donne son âme en choisissant de venir y vivre, travailler, créer et s'y distraire. Notre groupe investit tout son savoir-faire dans la création de Savannah Connected Countryside. Nous tenons à faire de ce village une référence en termes d'aménagement du territoire en milieu rural. Nous sommes bien placés pour savoir que ce vaste chantier ne pourra être livré sans l'apport de tous nos partenaires, sans votre apport, vous tous qui êtes là ce soir. Et nous vous en remercions d'ores et déjà. Bienvenue à Savannah.